Il était l'un des acteurs clés et tête pensante du groupe Ismaïla Touré. Formé avec ses frères le mythique groupe Touré Kunda qui en quelques années faisait danser toute la Casamance au son des rythmes locaux d'un père originaire du Mali, c'est à Santiaba à Ziguinchor que Ismaïla voit le jour. Les frères Touré, inspirés par le remarquable cosmopolitisme qui caractérise la Casamance, leur région d'origine dans le sud du Sénégal, ont régné avec leur groupe pendant de longues années sur la world music à partir de Paris. Ils ont ouvert la voie aux autres musiciens en brassant divers styles, mixant les sonorités africaines avec d'autres genres musicaux tels que l'afrobeat, le jazz, le reggae, le rock et le pop. Ismaïla avait été admis il y a 8 mois dans une structure sanitaire parisienne où il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Membre fondateur du groupe Touré Kunda, Ismaïla était un musicien, un artiste, un père, un ami selon ses proches. Décédé à Paris à l'âge de 73 ans, il est parti à jamais, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans le monde de la musique et de la culture.